janvier, c'était mercredi 7 août 2018 là, m'invite au tandil. Vous voulez tandil? Comme fait pas. En tandil. Élite économique là, il y a trois morceaux là-dedans. Il faut pas penser que son bloc. C'est chez moi, j'ai chien. Bonne clé dans bas là. Élite économique là, c'est chez moi, j'ai chien. D'ailleurs, ou un grand pilou, mais qui dit que c'est concurrent, qui veut écraser des limates, concurrent politique, concurrent économique. M'a connaît, m'a rien donné. Ok, c'est investigation pour t'amener pour faire qu'on est. Écoute, élite économique, là, c'est pas un bloc qui met tes têtes ensemble, qui dit, nous allons mettre ensemble pour nous faire ceci, pour nous faire cela. Ah ben, exister. Par contre, il y a trois catégories dans l'élite politique, là. Il y a les contrebandiers, qui associent avec des hommes politiques, sénateurs et députés. D'ailleurs, c'est pas moi qui dis. Ancien sénateur Anacassis dit que je dis, c'est les hommes politiques qui sont les maîtres de la contrebande. Bien entendu, on va pas faire si on va rejoindre le secteur privé, élite économique qui est associé avec eux. Donc, il y a les grands hommes de la contrebande, que ce soit au niveau politique ou au niveau économique. Deuxièmement, il y a les hommes, ça me dire les nostalgiques des monopoles. Il y en a qui ont monopole électricité, qui ont monopole fer, dans toute qualité monopole, et ils ont bien bien dans le monopole là. Et puis, il y a une minorité qui réalise que plus le pays a développé, plus ça fait marcher. C'est ce qu'on appelle l'élite progressiste. Prenons un exemple qui pourrait le faire saisir. En République dominicaine, Hyundai, pour compte lui, vend 7000 machines par année. 7000 machines par année. Ou combien total, tout concessionné haïtien vend en Haïti? 4000 unités par année. Non, j'ai la misère, monsieur. Elle dit que si je me donne un pays qu'un coup la République dominicaine, ce n'est pas 400 Nissan qui vont vendre par année. C'est 7000, 8000 Nissan. Donc, quelque part, besoin de pays ça à développer parce que j'ai une grosse classe moyenne, vibrante, économique, c'est client mieux. Nous pouvons regarder pour nous, nous avons fait des choses, mettre les gens dans le gouvernement, nous avons parlé des sénateurs, des députés, mais il y a des flèches qui allaient à l'encontre de secteur privé à tout, nous mettons les gens dans PN, la douane, AAN. Vous entendez en parole ça? Je ne suis pas d'accord. En pile, je ne suis pas d'accord. Le fait vrai? Mais le fait vrai, tout le monde connaît, tout le monde connaît que l'institution et l'État, que ces sénateurs qui mettent, je ne vais pas citer, je ne vais pas faire particularité, mais il y a qui connaît que l'institution de l'État, c'est sénateur qui mettait, l'institution, l'autre institution, l'État, on dit APN, la douane, ONA, OFATMA, c'est le secteur privé qui mettait, parce que le secteur privé a une certaine influence. Il faut ça suspendre. Faut ça suspendre parce que quelque part, comme on voulait un importateur, ou bien, vous savez, quand vous me dites, vous concessionnez machine dans météo avec cet directeur, et puis son nègre, c'est une concessionnaire qui mettait comme directeur. Ce n'est pas normal. Quand on directeur, on est secteur privé, pas qu'on mette un directeur APN, il n'est pas qu'on mette un directeur la douane, il n'est pas qu'on mette un directeur et DGI. Imaginons, on est secteur privé, nous directeur DGI. Mais le directeur DGI, ça, il est avec. Donc, et c'est vrai aussi pour les sénateurs. Élite économique, j'ai expliqué, me l'a divisé en plusieurs morceaux. Est-ce que ça va permettre que le pays apprenne le développement d'une élite comme ça? Non, ce n'est pas élite qui prend l'air. Élite bénéficier de mise en place de structures. Ça veut dire. Ce n'est pas élite là pour suspendre contre bonne. Elle est taxe pour suspendre contre bonne. Ce n'est pas élite qui pour faire payer taxes. Alors pensez à Américain qui paye taxes parce qu'il a envie de payer taxes. Il paye taxes, soit le connaît, s'il ne paye pas taxes, ça peut être en prison. Et pour ça, il paye taxes là. Il faut qu'on criminalise la faute fiscale. Il faut qu'on force les payer taxes pour que l'État a un argent qu'on y a pour le faire l'école, pour le former professeur, pour le faire l'hôpital. Mais contre bonne, je dis, tout le temps, on a parlé de Petro-Caribé. Et son bail que son dossier que me prend à cœur depuis quelque temps. Et Petro-Caribé, nous avons Petro-Caribé là, nous, hein? Nous quittons 500 millions de dollars à terre chaque année, oui. 300 millions de dollars dans la contrebande, 200 millions dans les qui n'ont pas payé et impôt sur le revenu. La Constitution a fait un partage des pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir législatif que me respectait en pile. Et m'a précisé, m'a shooté sous Parlement, m'a shooté sous pratique. Le Parlement est un élément essentiel du fonctionnement de notre démocratie. Mais il y a deux rôles principaux. Contrôler l'État, faire loi. Comment on est capable de contrôler l'exécutif? Comment on peut contrôler l'exécutif? Lorsqu'il n'y a pas de point de l'exécutif. Et puis l'ironie, c'est que nous sommes députés, nous faisons des marches pour que nous mettons un monde comme ministre. Et puis dans 6 mois, c'est moi qui parle de ministre, Canelli. C'est quand le professeur, en même temps, le chita sous banc, et puis le débuwa. Ça va qu'à faire. Le professeur a fait pour le chita débuwa, pour l'élève là, a fait de voile. Quitter le gouvernement, fait de voile. L'Elfin fait de voile, s'il fait de voile 10 sous 10, ou bal 10 sous 10. S'il fait de voile crétin, ou bal 0 sous 10, ou voyez l'aller. C'est rôle ou ça. Secteur privé a
partout. Et je m'a parlé de secteur privé, contrebande, secteur privé, corruption, secteur privé, monopole là. Faut le suspendre à blaguer quoi dans mes députés, dans mes sénateurs. Ok? Tout le monde connaît son pratique qu'a fait. Faut ça suspendre tout. Faut, il faut une remise en question de pratique qu'a fait dans le pays là. Et qui vient, de manière triste, qui vient amplifier ces 8 ou 9 dernières, pour des dernières années. Okay? De plus en plus, chaque gouvernement qui passait, il vient passer plus raide. Le thing est maintenant, Man Petro-Caribéa, c'était non bien évidé que sénateur Abjouncob, député Abjouncob, next secteur privé Abjouncob, et appel d'offres pas fait, contrat à bail, sans appel d'offres, et pour pas compte combien le facturer, il facturer 3 fois, 4 fois la valeur. Faut tout ça suspendre. Il y a des petits bagages, on a dit tout bas, on a même dit bien haut là pour nous comprendre. Dortelis family. Il y a M. Reginald Boulos comme quoi dans viseur premier ministre. Ça c'est un, notez le bon nom. Ou a dit nous si c'est vrai non. Donc comme si l'on mettait premier ministre ou tout participer dans la négociation pour mettre premier ministre. Ou a dit nous si c'est vrai ou pas. Et puis il y a des mouns qui ont des privilèges dans le secteur économique, dans l'espace pouvoir, dans l'ONA, etc. Dans l'ONA, prêté l'argent, même Jean Parlement a prêté l'argent à l'ONA, dans le secteur privé. Et souvent tout, non Reginald Boulos toujours paraît au premier plan. Dis nous non. Où est-ce que prêté quoi dans l'ONA? Et me dédile publiquement. Mais comme je prêtais à côté le TIA avant, il était dans BRH, il a fait zéro COP, Goud n'a pas dévalué chaque mois. Donc imaginons qu'en 4 ans, tu as peut-être 10 milliards de Goud dans BRH, Goud là, tu as 40 Goud et 70 Goud, je dis. Pour pouvoir d'achat à baisser tout avec Goud ça. Donc, mon sac pas recevoir pension en Goud là, parce que COP là pas fait petit. COP là pas font grain. Et bien, quand Goud là font petit, non, là font qu'un petit. Ou besoin pour COP là font pile petit. Pour le cas font pile petit, faut l'ONA fait placement. Ils font placement dans Autoplaza. Le m'a pas acheté maison Nissan, m'offrir en proposition. C'est moi qui ai joué, m'offrir en proposition. Je me dis, écoutez, ou bon cop qui chita dans BRH, loi a dit faut faire placement à quoi bloc, je me fais placement. Je propose pour faire placement dans Autoplaza. Ma bon cop fixe, plus ma bon code part sous chaque machine que je vends Nissan. L'ONA touche dans mes noms 3% de montant plus 1,5% montant machine nan, sous chaque grain de machine. Et comme je te connais, pour poser une question, hein? Même pour te pour vous, combien comme nous payons l'ONA? Non, mais dis-le, mettez les bons moments. 758 252 dollars américains que Autoplaza paye l'ONA en un an. C'est pas quoi rembourser, non? Ça, c'est intérêt, oui. 758 000 dollars et dans 758 000 dollars, 368 000 payés en dollars. Maintenant, le vin fait loi l'autre jour, n'obligez de convertir chaque mois dollars en goutte, mais au taux du jour. Parce que machine n'en vend en dollars. Quelqu'un a pris machine n'en fixe en dollars. Or, l'ONA gagne 1,5% sous montant machine ça. Donc, si je vends 700 machines, l'ONA gagne 1,5% sous montant ça. C'est comme l'ONA vient pas de même. Pendant 10 ans, il gagne ça pendant 10 ans. Son cop qui a fait petit. Ça qu'on va le chercher, puis aujourd'hui, et samedi. C'est pas vrai, Reginald Boulos, parce que ça, c'est nèg politique qui prêtait quoi bio. Je ne vais pas mettre nos nèg dehors, même si je connais. Nèg politique qui est plus frappé, Reginald Boulos, connaissait l'ic prêté quoi qui n'a pas jamais payé. Moi-même, je dis que je suis un audit public de l'ONA. Et je prends la télévision et la radio guinéenne aujourd'hui. Je demande un audit public de l'ONA et surtout des comptes à recevoir de l'ONA et de tous les prêts donnés par l'ONA. Et M. André Michel m'a dit ça tout, m'appuyer M. André Michel dans sa demande pour que vous fassiez un audit complet. Il n'y a pas qu'à demander à publier non monde, mais il y a droit pour une firme indépendante. Bon, m'a même dit pour une firme internationale, connue. Vin faire un audit de l'ONA et puis mettez tout le cacachat dehors. On a le gouvernement qu'on est premier ministre. Nous défendons le président, Jean Dim. Et me dit ça de Préval, de Matéli, de Privert et de Jovenel Moïse. Que Reginald Boulos, j'en viens de côté pour le ballon non premier ministre. Je défends nos premiers ministres. J'en dis que Reginald Boulos a le jeune pour le ballon non ministre. Je défends nos ministres. J'en dis que Reginald Boulos a le jeune pour le ballon non directeur général. Je défends nos directeurs général. J'en dis que Reginald Boulos a le jeune pour le deal employé au monde pour lui. C'est mon état contre lui qui m'a demandé monde pour lui dans l'entreprise. Je ne vais pas demander mon état employé monde pour moi. Je n'ai job. Je m'emploie plus que 2000 monde aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de mon job pour moi. Je n'ai pas besoin de premier ministre. Besoin d'un gouvernement qui a fait travail. Besoin d'un parlement qui a fait travail. Besoin de justice qui a fonctionné bien pour que je travaille bien. C'est tout ça que besoin. Bon, on va faire une rectification dans la c'est vendredi 17 août 2018. Bon, ça va, c'est vous, le sabdim là. L'imam, c'était mercredi 17 août 2018 là. Je m'invite au Tandil. Vous voulez l'entendre? Comme fait pas. En Tandil. Élite économique là, il y a trois morceaux là-dedans. Il faut pas penser que son bloc. C'est chien manger chien. Bonne clé dans bas là. Et l'économique là, c'est chien manger chien. D'ailleurs, ou un grand piloui mais qui dit que c'est concurrent qui veut écraser des limates, concurrent politique, concurrent économique. Bah qu'on est, bah rien donné.
OK, c'est investigation pour t'amener pour faire connaître. Et l'élite économique là, c'est pas un bloc qui met tête ensemble qui dit nous allons mettre ensemble pour nous faire ceci, pour nous faire cela. Ça va exister. Par contre, il y a trois catégories dans l'élite politique là. Il y a les contrebandiers qui associés avec des hommes politiques, sénateurs et députés. D'ailleurs, c'est pas moi qui dis, ancien sénateur Anacassis dit que je dis à c'est les hommes politiques qui sont les maîtres de la contrebande. Bien entendu, on va pas Rafael, si on va rejoindre un secteur privé, élite économique, qui est associé avec eux. Donc, il y a les grands hommes de la contrebande, que ce soit au niveau politique ou au niveau économique. Deuxièmement, il y a les hommes, ça me t'a carré, nostalgiques des monopoles. Il y en a qui ont un monopole électricité, il y en a qui ont un monopole fait, il y a toute qualité monopole, et il y a bien bien un monopole là. Et puis, il y a une minorité qui réalise que plus le pays a développé, plus ça fait marcher. C'est ce qu'on appelle l'élite progressiste. Prenons un exemple qui pourrait le faire saisir. En République dominicaine, Hyundai, pour compte lui, vend 7000 machines par année. 7000 machines par année. Ou compte combien total tout concessionnaire haïtien vend en Haïti? 4000 unités par année. Là, j'ai la misère, monsieur. Elle dit que si je n'ai pas un coup la République dominicaine, ce n'est pas 400 Nissan que je vends par année. C'est 7000, 8000 Nissan. Donc, quelque part, j'ai besoin de pays ça à développer parce que j'ai une grosse classe moyenne, vibrante, économique, c'est client mieux. Nous prenons le garde pour nous, nous avons fait bagarre, mettez moun et dans le gouvernement, nous avons parlé des sénateurs, des députés, mais il y a des flèches qui allaient à l'encontre de secteur privé à tout le monde, nous avons payé la douane AAN. Autant de paroles ça. Et m'a d'accord. En pile, et m'a d'accord. Et fait vrai? Mais le fait vrai, tout le monde connaît, tout le monde connaît que l'institution et l'État, que ces sénateurs qui mettaient, m'a cité, m'a fait particularité, mais il y a qui connaît que l'institution de l'État, c'est sénateur qui mettait, l'institution, l'autre institution, l'État, on dit APN, la douane, ONA, OFATMA, c'est le secteur privé qui mettait, parce que le secteur privé a une certaine influence. Il faut ça suspendre. Faut ça suspendre parce que quelque part, comment on voulait un importateur, ou bien, vous savez, quand vous me dites, vous concessionnez machine dans météo avec cet directeur, et puis son nec, c'est une concessionnaire qui mettait comme directeur. Ce n'est pas normal. Quand on directeur, on est secteur privé, pas qu'à mettre un directeur APN, ce n'est pas qu'à mettre un directeur la douane, ce n'est pas qu'à mettre un directeur et DGI. Imaginons, on est secteur privé, nous directeur DGI. Et bien, le directeur DGI, ça, il est avec. Donc, et c'est vrai aussi pour les sénateurs. Et l'élite économique, j'ai expliqué, m'a divisé en plusieurs morceaux. Est-ce que ça peut permettre que le pays ait un rail développement là, une élite comme ça? Non, ce n'est pas l'élite qui prend rail. Élite, élite bénéficier de mise en place de structures. Ça, ça veut dire. Ce n'est pas l'élite qui pour suspendre contre le banc. Elle est taxe pour suspendre contre le banc. Ce n'est pas l'élite qui pour faire payer taxes. Alors, pensez à l'Américain qui paye taxes parce qu'il a envie de payer taxes. Il paye taxes, si le connaît, s'il ne paye pas taxes, ça peut être en prison. Et pour ça, il paye taxes là. Il faut qu'on criminalise la faute fiscale. Il faut qu'on force les payer taxes pour que l'État ait un argent qu'on y a pour faire l'école, pour former professeurs, pour faire l'hôpital. Mais contre le banc, je dis, tout le temps, on a parlé de Petro-Caribé. Et son bail que son dossier que me prend à cœur depuis quelque temps. Et Petro-Caribé, nous avons Petro-Caribé là quand nous, hein? Nous quittons 500 millions de dollars à terre chaque année, oui. 300 millions de dollars dans la contrebande, 200 millions dans l'équipe à payer et impôts sur le revenu. La Constitution a fait un partage des pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir législatif que me respectait en pile. Et m'a précisé, m'a shooté sur le Parlement, m'a shooté sur pratique. Le Parlement est un élément essentiel du fonctionnement de notre démocratie. Mais il y a deux rôles principaux. Contrôler l'État, faire loi. Comment on est capable de contrôler l'exécutif? Comment on peut contrôler l'exécutif? Lorsqu'il n'y a pas de pour notre exécutif. Et puis l'ironie, c'est que nous sommes députés, nous faisons des marches pour que nous mettons le monde comme ministre. Et puis dans 6 mois, c'est moi qui parle de ministre, Canelli. C'est quand le professeur, en même temps, le chita souban, et puis le débuwa. Ça va qu'à faire. Le professeur a fait pour le chita débuwa, pour l'élève là, a fait de voile. Quitter le gouvernement, fait de voile. L'œil fin fait de voile, s'il fait de voile 10 sous 10, ou bal 10 sous 10, s'il fait de voile crétin, ou bal 0 sous 10, ou voyez l'aller. C'est rôle ou ça. Secteur privé à tout. Et je m'a parlé de secteur privé, contrebande, secteur privé, corruption, secteur privé, monopole là. Faut le suspendre à blaguer quoi dans mes députés, dans mes sénateurs. Ok? Tout le monde connaît son pratique qu'a fait. Faut ça suspendre tout. Il faut une remise en question de pratique qu'a fait dans le pays. Et qui vient, d'accord, de manière triste, qui vient amplifier
ces 8 ou 9 dernières années. Okay? De plus en plus, chaque gouvernement qui passait, il vient passer plus raide. Le terrain maintenant, Man Petro-Caribéa, c'était non bien évidé que sénateur Abjouncob, député Abjouncob, nec secteur privé Abjouncob, et appel d'offres pas fait, contrat à bail sans appel d'offres, et pour pas compte combien le facturé, il facturé 3 fois, 4 fois la valeur. Faut tout ça suspendre. Il y a des petits bagages, on a dit tout bas, on a même dit bien haut là pour nous comprendre. Your Chavez family. Il y a monsieur Reginald Boulos comme quoi un viseur premier ministre. Ça c'est un notez le bon nom. Ou a dit nous si c'est ça, bon nom. Donc comme s'il en mettait premier ministre autour participer dans négociation pour mettre premier ministre. Ou a dit nous si c'est vrai ou pas. Et puis il y a des monde qui ont des privilèges dans le secteur économique dans espace pouvoir, tant qu'ONA etc. Tant qu'on a prêté l'argent même Jean Parlement a prêté l'argent à l'ONA monde dans le secteur privé et souvent tout non Reginald Boulos toujours paraît au premier plan. Dis nous non. Oui, me prêter quoi dans l'ONA et me dédile publiquement. Mais quoi me prêter à côté le TIA avant? Il était dans BRH, il a fait zéro cob, goud n'a dévalué chaque mois. Donc imaginons qu'en 4 ans, tu as peut-être 10 milliards de goud dans BRH, goud là, tu as 40 goud, 70 goud aujourd'hui. Pour pouvoir d'achat à baisser tout avec goud ça. Donc, moun ça pas recevoir pension en goud là parce que cob là pas fait petit. Cob là pas font grain. Et bien, quand cob là font petit, non, là font qu'un petit. Ou besoin pour cob l'ONA font pile petit. Pour le cas font pile petit, faut l'ONA fait placement. Ils font placement dans Autoplaza. Le m'a pas acheté maison Nissan, m'offrir une proposition. C'est moi qui ai joué, m'offrir une proposition. Je me dis, écoutez, ou bon cob qui chita dans BRH, loi a dit faut faire placement à cob, l'on va jamais faire placement. Je propose pour faire un placement dans Autoplaza. Ma bon cob fixe, plus ma bon code part sous chaque machine de Nissan. L'on a touché dans mes noms 3% de montant, plus 1,5% montant machine nan, sous chaque grain de machine. Et comme vous êtes connu, vous pouvez poser une question. Hein? Même pour vous, pour combien comme nous payons l'ONA? Non, mais dis-le, vous mettez les bons mots. 758 252 dollars américains que Autoplaza paye l'ONA en un an. C'est pas quoi rembourser, non? Ça, c'est intérêt, oui. 758 000 dollars, et dans 758 000 dollars, 368 000 payés en dollars. Maintenant, le vin fait loi l'autre jour, nous obligés de convertir chaque mois dollars en gouttes, mais au taux du jour. Parce que machine n'a vend en dollars. Quelque part, prix machine n'a fixe en dollars. Or, l'on a gagné 1,5% sous montant machine ça. Donc, si je vends 700 machines, l'on a gagné 1,5% sous montant ça. C'est comme l'on a vu une pendant 10 ans. Il y a ça pendant 10 ans. Son corps qui a fait petit. Ça que vous allez chercher, pito, jeudi et samedi. C'est pas vrai, Reginald Boulos, parce que ça, c'est nèg politique qui prêtait quoi, bio. Je ne vais pas mettre nos nèg dehors, même si je connais. Nèg politique qui est plus frappé, Reginald Boulos, connaissait l'ic prêtait quoi, qui n'a pas jamais payé. Moi-même, je me dis, je suis audit public de l'ONA. Et je prends la télévision et la radio guinéenne aujourd'hui. Je demande un audit public de l'ONA et surtout des comptes à recevoir de l'ONA et de tous les prêts donnés par l'ONA. Et M. André Michel m'a dit ça tout, m'appuyer M. André Michel dans sa mandéa pour que vous fassiez un audit complet. Il n'y a pas qu'à m'aider à le publier non monde, mais il y a droit pour une firme indépendante. Bon, m'a même dit pour une firme internationale, connue. Vin faire un audit de l'ONA et puis mettez toute cacachate dehors. On a un gouvernement pour le premier ministre. Nous défendons au président Jean Mdim. Et me dit ça de Préval, de Matéli, de Privert et de Jovenel Moïse. Que Reginald Boulos, j'aime venir côté le boule ballon non premier ministre. Me défend nos premier ministre, j'aime dit que Reginald Boulos a le jeune pour le ballon non ministre. Me défend nos ministres, j'aime dit que Reginald Boulos a le jeune le ballon non directeur général. Me défend nos directeur général, j'aime dit que Reginald Boulos a le jeune pour le dire employer au monde pour lui. C'est mon état qu'on relève qui m'a demandé mon pour une entreprise. Bah, qu'on m'a demandé l'état employé mon pour moi. M'a job, m'employer plus que 2000 monde jeudi. Bah, besoin mon bail job pour moi. Pas besoin premier ministre, besoin un gouvernement qui a fait travail, besoin un parlement qui a fait travail, besoin justice qui a fonctionné bien pour me travailler bien. C'est tout ça me besoin. Bon, on me fait une rectification dans la c'est vendredi 17 août 2018. Bon, ça va c'est boulot ça dit là. Les bambes